Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le swatch de make-up de cette palette. Donc, c'est encore une fois une palette qui vient de Maryse, n'est-ce pas? Et je vous remets en barre d'infos le swatch de make-up de la première Sample Beauty que j'avais testé, la Blooming Lovely, qui m'avait beaucoup déçu, et on m'a dit que celle-ci était beaucoup mieux, du coup Maryse me l'a envoyée. Voilà, alors, premier abord, alors il y a 5, 2, 4, 6, il y a 30 fards, donc c'est pas négligeable, dans les teintes un peu nude, marronné, pourpre, j'ai envie de dire, ce que je vois c'est que déjà ici il y en a deux qui sont hyper ressemblants, les marrons, ici, pareil, les trois, je sais pas s'ils étaient nécessaires. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un blanc, un noir, mat. Ici, vous avez tous les mats, tous les lumineux, et ici, un mélange des deux. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, il y a du orangé, du nude. Cette teinte-ci a l'air magnifique, mais j'ai très envie d'utiliser cette rangée-ci, en fait. Voilà, ici, pour un smoky, ça doit être canon. Et on va voir si... si les fards se mélangent mieux que pour la Blooming Lovely. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque le make-up. Just like the street lights lit this town. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Alors j'ai envie de tester les yeux, pas de la même façon, pour voir si en les travaillant différemment, ils auraient le même problème que l'autre. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il manque un beige. Bon, j'ai déjà poudré mon arcade sur ses liens, mais il n'y a pas de beige, ce qui est totalement débile, puisque elle est tellement complète. Vous avez le blanc, mais moi j'aime pas du tout poudrer mon arcade sur ses liens avec un blanc. Donc je trouve ça vraiment dommage. Alors, je vais commencer avec cette ici, comme je fais d'habitude. Je prends mon pinceau plat et je vais prendre la teinte. Oh, j'hésite entre les deux. Oh, allez, je vais prendre la chérie, juste ici. Et je vais donc faire mon creux. On va partir sur un Halo Ice. Oh, en tout cas, c'est pigmenté. Hein. Bon, la première, la Blooming Lovely, là, la pigmentation était là aussi. Hein. C'était vraiment le travail des fards en superposition qui merdait. Et l'organisation de la palette qui était merdique aussi. Ici, c'est mieux rangé. Donc là, je fais tout le tour de mon œil comme je fais d'habitude. Par contre, quand il n'y a pas de base, c'est moins pigmenté. Hein. Ce qui est tout à fait normal hein, entre nous ceux-ci. Et je vais commencer à dégrader doucement le fard. Avec le même pinceau. Donc je ne fais pas l'autre œil de la même façon pour voir s'il y a une différence en les travaillant différemment. Je prends un pinceau plat et je vais attaquer directement avec la teinte On. Je crois que c'est On ici. L'aubergine, mais magnifique. Donc je mets ça en coin externe et en coin interne. Bon, je vous dis, question pigmentation, il n'y a déjà pas de souci. Hein. Avec la tranche, je vais faire mon ras de cils. Je reprends le premier pinceau et je dégrade dans le premier fard. Et c'est là qu'on va voir si... Après, c'est des teintes assez similaires. Donc, il y a moyen de mouiller le nez. Mais non. Non. Ils se dégradent pas l'un dans l'autre, c'est un truc de fou. Ils se
c'est des grades, hein, mais ça fait une barre. Vous voyez, c'est pas joli. Donc je dégrade aussi sur la paupière mobile. J'essuie mon pinceau et je reprends la première teinte, la chérie, hein, pour essayer de mieux travailler. Mais non, je trouve que ça se dégrade pas super bien. Alors, je prends un pinceau propre pour commencer, pour dégrader le tour. Et tout seul, il se dégrade super bien par contre, vous voyez. Alors, j'essuie mon pinceau et je vais prendre la teinte Confort. C'est le chanteur que j'adore. Pour peaufiner le dégradé ici. Je sais pas si c'est une bonne idée hein, ce que je suis en train de faire, vu que ça se dégrade pas bien entre eux. Parce que là, c'est quand même des teintes assez proches et c'est censé se dégrader tout seul. Mais voilà, pour l'instant, on va laisser cet œil-là comme ça. Donc, je recommence, mais dans le sens inverse, je prends le On avec le pinceau plat pour l'autre œil. On va voir si en mettant le plus foncé d'abord, ça se dégrade mieux. Ce qui peut être totalement possible. Hein. Je prends ce pinceau-là sans rajouter de matière au début pour dégrader. Et je sens que ça va faire des taches. Je dégrade pareil sur la paupière. J'essuie mon pinceau et je reprends la teinte chérie pour faire mon creux. Donc pareil, je fais tout le tour de mon œil. Ça fait plus de taches comme ça, j'ai l'impression. Donc je dégrade. Et j'essaye de bien dégrader. Il se dégrade un peu mieux dans ce sens-là. Je vais rajouter du On. Parce que du coup, dans ce sens-là, on perd d'intensité. Je le trouve quand même le prune vachement moins intense, du coup, ici, enfin l'aubergine. Alors, petit coup d'estompeur sans rajouter de produit pour commencer, enfin de matière. Et je reprends le Confort pour dégrader. Alors, avec l'autre côté de mon pinceau, je l'essuie et je vais prendre la teinte Blossom, qui est juste ici, pour mettre au centre, qui est super, super, super grumeleux. Celui-là, on va devoir le mettre au doigt, je pense, mais j'essaye quand même mon pinceau. Bon, ça fonctionne au pinceau, mais je pense qu'au doigt, ça va être mieux. On passe au doigt. Ah oui, c'est vraiment du crémeux. Ouais, c'est mieux. C'est tout de suite plus intense et on voit mieux le côté un peu métallique. Je dégrade. Et au doigt, je vais encore reprendre celui-ci qui est le top. Pour remettre par-dessus encore. J'en fous. Ouh, mais il est beau, celui-là. Je prends un petit pinceau pour mon coin interne et on va mettre le Time qui est juste ici. Qui est un rose gold avec des petites paillettes roses, j'ai l'impression. Totalement ça. Alors au doigt, je vais quand même prendre le Sweet parce que c'est, je crois que c'est le fard le plus beau de la palette. Et j'en remets au centre. Ouh, celui-là est magnifique. Il y a des petites paillettes vertes dedans. Et avec un pinceau plat, mais assez touffu, je cherche. Je vais prendre le même, le suite, pour mettre sous ma chenille. Ce fard est magnifique. C'est le plus beau de la palette. Bon, ça reste un topper, hein. Je vais quand même en prendre un peu pour mettre par-dessus le coin interne. Je vais reprendre l'autre, ça ira mieux. Ben voilà pour les fards. Ce fard est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, mascara, crayon noir, parce que j'ai mis déjà beaucoup de prunes. Et sur les lèvres, j'ai testé le By Terry. Je ne sais pas s'il y aura vraiment avec, mais voilà. Je viens vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après.
Et donc voilà le look final avec cette palette. Alors le rouge à lèvres, je n'ai pas l'air à la teinte. Ah, okay. Oh, j'ai les carreaux dégueulasses. Oh, comme c'est étonnant. Je sais pas lire la teinte. Velvet rouge. Ça doit être comme ça. Ça doit être ça. C'est un framboise. Il file. Il est super crémeux. C'est pas un... Je pense pas qu'il sèche totalement. C'est pas un mat. J'aime beaucoup la couleur. Il sent très fort la rose. Après, c'est souvent chez By Terry, paraît-il. Donc, j'en ai plein les dents. Ouais, je l'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien l'application, mais j'aime pas. Ça va pas tenir sur moi. C'est pas du tout du no transfert. Je vais pas le garder. Même si je l'aime beaucoup, la couleur. Bref. Donc, il finira sur Vinted. Hein, je sais pas quand, mais il finira par y aller. Donc, pour ce qu'il en est de la palette... j'adore l'harmonie. Franchement, j'aime beaucoup l'harmonie. Après, c'est toujours le problème des travails, des mats, quoi. Les lumineux sont canons. Mais c'était déjà comme ça dans la Blooming Lovely. Ce fard-là est juste somptueux. C'est le plus beau de la palette pour moi. Celui-ci, en smoky, doit être canon aussi. C'est un noir avec des petites paillettes bleues. Mais j'ai l'équivalent dans d'autres palettes. Notamment, je pense, la Jeffree Star. Donc, je pense pas que je vais la garder non plus. Je vais pas la garder juste pour ce fard-là, quoi. Surtout, je dois avoir l'équivalent aussi ailleurs. Les lumineux, c'est toujours chez eux, c'est vraiment les lumineux sont canons. Et les mats se travaillent très mal pour ma façon de me maquiller. Après, ça dépend de la façon de chacun. Maintenant, si vous aimez, par exemple, juste mettre un fard en paupière mobile mat et mettre du lumineux par-dessus, c'est le genre de palette qu'il vous faut parce que c'est hyper pigmenté et tout seul, ça se dégrade tout très bien. C'est vraiment en superposition, position que ça merde un peu. Voilà, je suis bien contente d'avoir testé et je sais maintenant que je n'achèterai pas de palette Sample Beauty. Marie, merci parce que grâce à toi, bah, j'ai économisé de l'argent si jamais ils sortent de nouvelles palettes ou celle-ci qui me tentait quand même bien. Le make-up est canon, hein, j'aime beaucoup, les teintes sont vraiment magnifiques. Vous avez vu que la pigmentation, il n'y a rien à redire, c'est juste vraiment ce travail d'estompage que moi j'aime pas parce que ça fait une barre et pour mes névroses c'est totalement pas ce qu'il me faut et c'est pas suivant ma façon de me maquiller, c'est pas adapté à moi. Maintenant si vous avez une autre façon de vous maquiller que moi, elle vous sera peut-être plus adaptée à vous qu'à moi. Voilà, tout simplement. Donc elle ira sur Vinted aussi. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aime beaucoup hein, le make-up, franchement les fards lumineux. Ce fard là, oh, mais il est canon, canon, canon. Mais je dois avoir l'équivalent ailleurs, notamment peut-être bien dans la Blood Money. Bref, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, ça fait plaisir de vous abonner, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve de toute façon demain, hein. Pour l'instant, on continue les une vidéo par jour, je sais pas jusque quand, suivant mon stock de vidéos prévues. Il y a encore quelques swatches de make-up, ça reste beaucoup maintenant du color pop. Il reste une Huda et la Sigma A et une BH. Donc, et après, c'est du color pop. Voilà. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.